Bienvenue à cette première partie d'une série de documentaires sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Tadam! Mon nom est Renard Frac. Je fais des recherches sur le ruisseau de la Grande Prairie depuis 2013, mais à temps partiel, plus que partiel, puisque je suis graphiste de profession, je travaille temps plein et j'ai une famille que j'adore. Je suis aussi musicien, donc mes temps libres sont en fait assez chargés. Mais en 2018, j'ai décidé d'arrêter la musique pour devenir militant. Vous le savez peut-être, les milieux naturels qui restent dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et il n'en reste pas beaucoup, sont gravement menacés par toutes sortes de projets, que ce soit immobilier, industriel, portuaire, et j'en passe. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces merveilleux boisés? Le ruisseau de la Grande Prairie y passait jadis. Oui, oui. Après 2 années de combat pour la conservation de ces boisés, je fais ce bilan avec vous. Je vous propose une série de documentaires. Ça se veut une genre de synthèse de tout ce que je connais sur le ruisseau. Et évidemment, il va y avoir des cartes, il va y avoir des documents historiques, des vieux documents là, vraiment poussiéreux. J'ai en plus rencontré des gens qui l'ont connu, le ruisseau, dans leur folle jeunesse, lorsqu'il coulait encore ici, dans les boisés. On va aussi parler de la flore et de la faune qui existent encore aujourd'hui. Puis évidemment, on va revenir sur le combat pour la conservation des milieux naturels, car c'est vraiment pas fini. Mais là, on va commencer par se démêler dans quelque chose qui est un peu mêlant, le nom du ruisseau. Comment il s'appelle? On dit ruisseau Mawson ou de la Grande Prairie? Les deux sont bons, on parle exactement du même ruisseau. Hein? Ruisseau Mawson serait le nom le plus récent, tel que vu sur les cartes des années 1900 environ, le 20e siècle. De la Grande Prairie serait le nom le plus ancien connu. On parle de la fin des années 1600, début 1700, donc au début du 18e siècle environ. Malheureusement, je n'ai jamais trouvé le nom amérindien pour ce ruisseau. Mais ce ruisseau, il en a porté plusieurs des noms et des surnoms. On va les regarder. On sait, d'après l'abbé Olivier Moreau, dans son livre Saint-François d'Assise de la Longue Pointe, un abrégé historique de 1924, que, ouvrez les guillemets, là aussi coule un ruisseau, et ce ruisseau s'appela Ruisseau des Sœurs. Eh bien, plus loin, il nous indique que le ruisseau de la Grande Prairie apparaît sur une carte de 1763. Il ajoute, « Il fut appelé, paraît-il, Ruisseau des Anges, et au cours du 19e siècle, Ruisseau Mawson. » Donc, si on dresse une liste des noms et surnoms, on a tout d'abord Ruisseau de la Grande Prairie, évidemment. Je vous montre d'ailleurs une carte de 1744 où on le voit apparaître. Là. On suit la petite flèche rouge, et juste là. On a ensuite Ruisseau des Sœurs, Ruisseau des Anges et finalement Ruisseau Mawson. Je vous le montre, ce Mawson, sur une carte des égouts de la ville de Montréal de 1957 à 1994. C'est une carte là, qui a eu plusieurs corrections. Mais déjà, là, on voit qu'on parle du ruisseau Mawson au passé. C'est écrit « Ancien parcours du ruisseau Mawson ». C'est quand même bizarre. En plus, je sais que le ruisseau a porté plusieurs surnoms. Hein? Grâce au témoignage de M. Durocher, que l'on voit ici à l'écran, le ruisseau s'est aussi nommé « Grease » ou « Grace », hein? Tout dépendant de qui le prononce. Avant ça, il se serait nommé « Truteau ». Eh bien, mais surtout qu'on aurait donné les surnoms « Ruisseau de la Grive » et ou de la grise, ça serait la francisation mal prononcée de grease. Genre, ça fait grease, grise, grive, blablabla. On s'en fâche des babines. On revient à notre liste. On ajoute Truteau, évidemment. Et les variantes grease, grace, tout ça. Mais en fait, je ne l'ai jamais vu écrit de la même façon. On ajoute aussi la grise ainsi que de la grive. Ça se prononce mal. Pour ce dernier surnom, j'ai un autre témoignage qui me vient de Carole Daigle. Son père s'y baignait dans les années 30, c'est quand même quelque chose. Elle m'indique même l'endroit, c'est tout près de l'incinérateur abandonné sur la rue Dixon. Et je vous montre d'ailleurs le ponceau de 1908 que nous indique Carole Daigle avec mon ami Daniel Garon qui est là. Et puis le ruisseau de la Grande Prairie, il coule encore, mais le courant est très menu, très mince. On revient à notre super liste. Voici tous les noms et surnoms recensés à date pour le même ruisseau.
Maintenant, j'aimerais ça qu'on se promène ensemble sur le territoire actuel, qu'on aille de boisé en boisé. Hein? J'ai filmé de janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui des scènes de saison en saison. Je me suis promené avec ma caméra partout. J'ai filmé plein de choses. Je vous présente la flore, chaque arbre que j'ai pratiquement tout identifié. C'est vraiment magnifique. Puis en plus, j'ai rajouté la musique de mes amis Mathieu Boudreau, René Gélineau et moi-même. Après cette interlude, on ira retrouver Claude Marcotte. Il nous racontera comment était le ruisseau en 1962, exactement ici, les pieds directement dans l'ancien lit. Maintenant, allons voir ces endroits magiques.
en espérant que ça vous a plu autant qu'à moi. Évidemment, pendant la vidéo, il y avait des noms de boisés qui apparaissaient. C'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est boisé? Je vais l'expliquer dans une deuxième partie de ce documentaire. Le statut de chacun, pourquoi ces surnoms-là, et puis est-ce qu'ils sont en danger ou pas. Maintenant, allons rencontrer Claude Marcotte dans le boisé du métro Assomption. Certains l'appellent aussi de Marseille. C'est d'ailleurs un boisé qui est en danger. On se retrouve en 1962, les pieds directement dans le ruisseau. Évidemment, Claude va aussi nous parler du territoire qui est autour. Hein. Je vous montre une belle photo aérienne de 1947, juste avant. C'était des grands champs, vestiges de l'ère agricole, avec des boisés, des marécages qui entourent le ruisseau. C'est vraiment très beau. Alors, go 1962! Mais c'était ici que... En 62, tu jouais dans le ruisseau. Oui, c'est ça. Donc, le ruisseau, à l'époque, il y avait un peu d'arbres autour, mais il était encaissé. Il faisait peut-être, évidemment, un enfant de 5 ans, il voit ça peut-être plus grand, là, mais peut-être de 2-3 mètres. On descendait, il y avait un filet d'eau dans le fond, puis il y avait des troncs d'arbres là, qui jonchaient le lit du ruisseau. Mais il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais il était là, il était là. Puis... nous autres, on venait ramasser des framboises avec mon oncle ici. Fait que, ça, c'est cool. Plus au sud de Pierre-le-Coubertin, qui s'appelait Boyce à l'époque, la Boyce, là, c'était vraiment juste de la broussaille. Il n'y avait pas vraiment d'arbres. Puis c'était de la prairie. Là. Fait que là, il y a beaucoup, beaucoup de framboises. On la ramassait en masse, en masse. Puis il n'y a pas grand-chose à construire autour. Et puis, un peu plus tard, dans les années 60, là, je pouvais y aller tout seul. Je n'étais pas accompagné de mon oncle. Fait que je me souviens qu'au printemps, il y avait beaucoup, beaucoup de flaques d'eau là, à fond des neiges. Fait que ça faisait comme des genres de petits marais. Fait que on se construisait des radeaux, puis on se faisait des aventures là-dedans. Je me souviens, moi, de passer des après-midi sur le radeau, dans la mare d'eau, là, et puis à nous conter des histoires. Fait que ça, c'est des beaux souvenirs, ça. Ça, c'était l'eau, c'était plus vers l'est, là, plus vers ce qui est Renaud-Bré là, actuellement. Là, on appelait ça la Benalac à l'époque. Là, okay. Et puis, en face de ça aussi, on jouait au football, à touch football. Là, sur le gars, là. Là, derrière moi, ici, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des champs. Les gens cultivaient. Ils squattaient là, le terrain. Là. Ils s'étaient fait des potagers. Ils délimitaient leurs parcelles avec des branches, ils se faisaient des clôtures, il y avait des barils pour ramasser l'eau, comme ça ils pouvaient arroser leurs plaies. Nous autres, quand on était jeunes, on venait et on poilait des tomates. Là, derrière moi, il y avait les installations du CN. Donc, il y avait une rotonde, un genre de pont tournant, où que les locomotives étaient amenées et qu'ils pouvaient les enligner dans un bâtiment pour faire l'entretien. Fait que là, nous aussi, on allait jouer là-dedans, se promener. Puis là, ben, ça a tout été démoli là, dans les années 80-90. Là, puis c'était super contaminé. C'est bon, ça. Merci à Claude d'avoir partagé ses souvenirs. C'est très gentil. Dans les prochaines parties de ce documentaire, je vous présenterai les témoignages de Roland Tremblay, Louis-Philippe Durocher, John Trivisono, Diane Audet et plusieurs autres. J'aimerais maintenant conclure en démêlant les noms des mouvements citoyens qui se battent pour la conservation des milieux naturels dans MHM, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. OK, tout ça là, part de Mobilisation 6600, le logo. C'est un mouvement citoyen très fort qui s'est battu, entre autres, contre le projet de la Cité de la logistique de Réal Ménard et son équipe, l'ancien maire de MHM. En 2017, sur l'invitation de la super citoyenne Amélie Desnoyers, moi et Julien Bourbeau, on a fait une série de conférences sur le ruisseau Mawson, ou de la Grande Prairie. Par la force des choses, on est devenu un genre de rejeton de Mobilisation 6600. Que l'on a nommé Sauvons le ruisseau Mawson, logo. Avec comme noyau dur Amélie Desnoyers, Julien Bourbeau, Carl Bégin, Jérémy Hamel et moi-même. À ça s'est greffé avec le temps Patricia Clermont, son conjoint, puis vraiment
plus de monde. Plusieurs autres. Sauf qu'en 2017, arrive la nouvelle administration de Projet Montréal dans MHM. Vous savez ce que c'est? On rencontre le nouveau maire, M. Lessard-Blais. Je lui parle que le premier nom connu du ruisseau, c'est Ruisseau de la Grande Prairie, comme j'ai fait au début de cette vidéo. Hein? Puis il me dit, ah ouais, la compagnie Molson a quitté Montréal pour des questions de taxes. Ça coûterait trop cher de rester à Montréal, apparemment. Puis ça serait plate de garder Molson pour le ruisseau, puisque eux autres, ils s'en vont. Puis j'étais pas mal d'accord avec lui. Puis d'ailleurs, ça faisait des années que mon ami archéologue Roland Tremblay me disait que de la Grande Prairie, c'est plus beau. Historiquement, c'est plus fort. Puis j'étais d'accord. Fait que de Cité de la Logistique, c'est devenu l'éco-parc industriel de la Grande Prairie. Bon. Puis oui, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Rousseau-Molson, ça a un lien avec les frères Molson, la brasserie Molson. Il y avait le terrain, un moment donné dans l'histoire, à l'embouchure du ruisseau. That's it. De notre côté, comme mouvement citoyen, on se devait de refléter ce nouveau nom. Hein? C'est avec énormément de réticence qu'on est devenus les amis du parc nature Ruisseau de la Grande Prairie. J'avoue que c'est très long comme nom, c'était peut-être un mauvais move. On peut encore peut-être le modifier ou créer un acronyme qui est agréable à l'oreille, je ne sais pas. Sous cette enseigne, on s'est battu là, très très fort lors de la consultation publique à propos d'Assomption Sud, régie par l'OCPM, l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal. Dès septembre 2018, j'ai fait énormément de vidéos qui sont devenues viraux en vulgarisant ce qui était important à protéger. Puis je crois qu'on a réussi, parce que dans le rapport final de l'OCPM, les recommandations des amis du parc nature Ruisseau de la Grande Prairie apparaissent souvent. D'ailleurs, on recommande de protéger trois boisés qu'on avait parlé, qu'on avait mis dans, par écrit, puis on a fait participer plein de gens avec l'outil Internet de l'OCPM. Il y a vraiment eu beaucoup d'opinions écrites. J'en remercie beaucoup les gens. Maintenant, pour ce qui est du combat récent, là, pour les boisés d'Assomption Nord, ça veut dire, évidemment, le boisé Beniana, le boisé du métro Assomption, je l'ai répété souvent, j'ai juste nommé ça hashtag sauvons boisé MHM. C'était moins compliqué, moins long, plus poignant. J'essaie tout le temps de pousser ça, les amis du parc nature Ruisseau de la Grande Prairie, mais ça pogne pas mal moins. Mais peu importe le nom, l'important, c'est que les citoyens s'impliquent. Pour une saine démocratie, c'est vraiment important. Les politiciens, là, c'est pas des dieux. Puis en fait, ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. Ils sont pas au courant de tous les dossiers. Puis c'est aux citoyens, dans le fond, de leur dire quoi faire. C'est aux citoyens de s'impliquer puis de leur dire qu'est-ce qui est important. C'est nous, en fait, la démocratie. Hein? Les politiciens, ils font juste nous représenter. Je vais maintenant terminer avec la liste des gens qui se sont impliqués dernièrement. Là. Je vous remercie beaucoup. On va tous présenter vos noms pour sauver les boisés de MHM. Merci du fond du cœur. C'est un grand plaisir. C'est pas terminé, mais on va continuer. Puis, super important, parlez-en de ce documentaire-là. Là. Donnez vos impressions, écrivez. T'sais, faites pas juste partager. Écrivez ce que vous en pensez. Des mots du cœur, c'est très important. Le partage, puis j'aimerais ça que tout le monde connaisse cette histoire-là. Je vous remercie infiniment.